Võtku mind kosmosesse kaasa. Mag ik ook mee? Ik wil eigenlijk ook wel eens een keer meedoen om de ruimte in te gaan. Ehkä joo, ainakin mä itse lähtisin. Some of us would like to go up into space. Yeah, I think so if they want to, but I wouldn't be a candidate. A few companies, such as Virgin Galactic and Blue Origin, are already developing space flights for space tourism. Others, such as Mars One, are selling one-way tickets to Mars. So, off we go into space? With Clodie Enyere, an ESA astronaut who takes us aboard the International Space Station. Quand on regarde depuis le hublot de la station spatiale, on voit défiler les océans, les continents, avec leurs couleurs. Je crois qu'on a un rapport à la couleur qui est aussi quelque chose d'intéressant. Vous survolez le continent africain, vous avez plutôt des teintes d'ocre, d'orange. Vous survolez le continent européen, vous aurez davantage des couleurs de vert ou de noir plus foncées. Une particularité aussi, une spécificité de cet environnement, c'est que vous avez le regard par le hublot et cette terre qui défile, mais avec un corps qui n'a plus de poids. Et ça, c'est un sentiment de liberté extraordinaire. La musique, dans ces conditions-là, c'est quelque chose qui facilite encore plus l'entrée dans cette contemplation. C'est un adjuvant de la contemplation, je dirais, à ce moment-là, la musique, parce que d'une part, elle vous permet de vous plonger au-delà de votre regard, et elle vous isole aussi de ces bruits de l'environnement dans lequel vous vivez. Une station spatiale, c'est une station où il y a du bruit, des ventilateurs, des machines qui tournent. Donc même si vous grappiller un peu de temps sur un emploi du temps chargé pour aller vous isoler auprès d'un hublot. La musique accompagne le mouvement et vous permet de rester dans cette contemplation isolée de facteurs extérieurs. Peut-être quelque chose qui est complètement en harmonie avec le défilement de la Terre qui était cet élément de transition vers une contemplation qui nous sort de nous-mêmes. Et c'est vrai que le rythme, le tempo, la beauté de cette voix, sa pureté, c'est quelque chose à la fois qui nous accompagne et dont on a besoin. Oh.
What would you wish future missions into space to be like? What do you think they should be for? What kind of discoveries would you expect? Which improvements to life on Earth would you like them to make? How would you like to be linked up to missions in deep space, on the moon or around the Earth? Over to you.